Former, c'est notre devoir, former, c'est notre désir. Mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economa News ce jour, l'actualité autour de l'annonce des résultats du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient. À l'international, Cartona en Égypte lève une extension des séries A de 8,1 millions de dollars. Voilà pour les titres. Exemple 2024, clap de fin. La 14e édition du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient s'est achevée mercredi 31 juillet 2024 avec le couronnement des projets qualifiés par le jury en place. Au total, 3 projets ont été couronnés pour cette édition. Le premier prix est prix spécial féminin pour Exemple 2024 attribué à M-Kit de Tiaï Agnès. Le projet Doigt vers point pro de Luther Olinga est venu en deuxième position et Student Mac de Ngunu Patrick en troisième position de cette 14e édition du Poésame. Des prix allant respectivement de 2 millions, 1 million et 500 000 francs CFA. Rappelons qu'au départ, ils ont été 10 candidats à compétir à ce concours et pour finir, 3 candidats sur les 10 ont été couronnés. À l'international, Cartona, une plateforme de commerce électronique B2B basée en Égypte, a levé 8,1 millions de dollars dans le cadre d'une extension de série A, 5,6 millions de dollars d'actions et 2,5 millions de dollars de dettes auprès d'investisseurs nouveaux et existants pour accroître sa part de marché et aider les détaillants. WhatsApp de Meta fait appel de l'amende de 220 millions de dollars et affirme que l'enquête de la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs est erronée. Cela vient après que la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs ait accusé Meta de violation des lois nigérianes sur la protection des données en appliquant des pratiques d'exploitation et de confidentialité non conforme. WhatsApp affirme que l'amende qui lui est infligée est injustifiée, invoquant des erreurs de procédure dans l'enquête et des exigences peu pratiques et juridiquement infondées. RTL Africa rachète 21 millions d'actions pour 29 millions de dollars et annonce un bénéfice de 31 millions de dollars pour le premier trimestre. Selon le rapport opérationnel, l'entreprise de télécommunications a enregistré une augmentation de 8,6% de sa base de clients, atteignant 155,4 millions la capacité de données sur son réseau, ayant également augmenté de 33%. Et l'Organisation internationale de la francophonie, France Médias Monde et Reporters sans frontières, Reporters Without Borders, RSF, qui lance la 8e édition du prix francophone de l'innovation dans les médias. Si donc vous avez une initiative médiatique innovante, participez dès maintenant et tentez de remporter jusqu'à 15 000 euros. La date limite des candidatures est fixée ce 26 août 2020. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Economa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.